100% évangélique, bon Dieu béni, bon Dieu gardé, nous comptons pour nous retrouver dans l'émission ça, après-midi, hein, et que nous connaissons en pile, nous t'attendons surtout, et nous disons bon Dieu merci parce que il permet que nous sommes capables là, dans un moment ça, pour nous présenter l'émission ça avec vous. Et nous disons bon Dieu merci, nous vraiment contents, nous joyeux, nous disons bon Dieu merci pour technicien nous, que bon Dieu, opportunité pour l'après-midi, hein. En laisser famille pour ta passion bon petit moment avec vous mais là pour venir permettre que émission soit capable de diffuser la caillou nous dit bon Dieu merci pour ça et nous content parce que recevoir nous la caillou et peu importe côté que oui soit dans salon dans chambre ou sous balcon peu importe mais nous content parce que vous acceptez tendez nous bien que c'est pas tout le monde qui accepte tendez message ça l'évangile ça mais nous croyons que Dieu choisit spécialement des mondes très spéciaux et des personnes très spéciales pour vraiment écouter et regarder 100% évangélique avec Bible en main pour être capable de comprendre qui ça la Bible dit, qui ça Christ mandé pour nous faire, comment nous devons fonctionner, comment la Bible mandé pour nous vivre, parce que nous gagnons seul boussole, un seul miroir. Et c'est dans ce miroir que nous devons nous regarder à chaque seconde pour voir si nous sommes conformes à la loi, si nous sommes conformes à ce miroir. Alors c'est pour ça qu'il nous dit, mon Dieu, merci en pile, parce que l'IPMET qui nous l'a, moi-même qui l'a, nous connaît bien que bah, mériter une telle faveur, bah, digne, moi, plus pas bon, plus mal que nous toutes, comme nous là, et plus mal que toutes, et chaque jour, plus mal. Hein, les pour nous ta propre devant Dieu nous pis mal alors pas digne du tout du tout mais Dieu fait me faveur ça pour moi capable là pour me présenter l'évangile ça bah où Jean qui l'écrit dans Bible là avec puissance cet esprit là pour capable comprendre ni parce que sans puissance cet esprit là il est impossible pour nous comprendre écriture ça et m'a fait comprendre que quel qu'elle en soit trait de lettre que ouais qui écrit dans parole ça. Eh bien, ce ne sont pas des lettres et comme celles d'un roman, mais ce sont des lettres que Dieu lui-même a transmises à travers de ses serviteurs pour qu'ils puissent parler de la part de Dieu, de la parole de la vérité. Et c'est cette parole de la vérité qui nous pousse, qui nous donne la nécessité d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir la révélation de la parole. Parce qu'il y a des choses à travers la Bible, si nous pas des révélations, nous n'avons pas qu'à comprendre. Et c'est un bagage qui est tout à fait normal, on dit, bah, on peut courir, parce qu'il est trop pour. Et bah, on dit, bon, ça, c'est franchement, on est obligé de courir. Pourquoi? Parce que ça qui écrit à tellement grand, ni tellement énorme, comme apôtre peut dire, aux profondeurs de la sagesse, aux profondeurs de la sagesse, de la science des dieux. Oh, que ces voies sont incompréhensibles. Hein? Que ces voies sont insondables. Parce que il y a des bagailles que Dieu a fait, des bagailles que Dieu dit, qui sans connaissance, sans intelligence qu'il bat. C'est ce qu'apôtre Paul, dans Éphésiens 1er, il dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, en faisant mention de vous dans mes prières. Hein, en faisant mention pour vous à Dieu dans mes prières, Éphésiens chapitre 1, le verset 16-17. Hein, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, hein, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, hein, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors écoutez bien, il y a un esprit de sagesse, un esprit de révélation ou dans sa connaissance. Dans sa connaissance. C'est comme il dit dans Psaume 119, le verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Et il dit, quand il n'y a pas, en proverbe, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Pas de révélation, pas de loi, pas de connaissance de la parole de Dieu, et bien au bon peuple cap coup par contre côté vallée. Ou en conclusion, on revient à Matthieu 14-15, hein, qui dit les célestes, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans une fosse. Alors nous bénissons mon Dieu pour parole ça y est. Et il peut mettre que nous sommes capables vraiment en position ça, indigne que nous soyons, hein, pour
pouvoir partager cette parole de vérité. Et nous souhaiter que bon Dieu a béni ou a gardé ou a permis que nous passions un moment béni ensemble. Nous comptons être là pour nous présenter une émission. Ça, nous tous qui avons gardé, tout le monde qui a gardé, des personnages, des jeunes, des enfants, des adultes, des vieillards. Nous comptons, ouais, jeunes, nous comptons, ouais, hein, que bon Dieu gardé, que bon Dieu béni, hein, et Rasta, yo, parce que dernièrement, moi, quand on a Rasta, et il dit que faut que. Moi, arrêter de parler du nom de Jésus, c'est de la CIA pour me parler. C'est de nom de la CIA. Alors, question me pose, je me demande est-ce que la CIA a été mourue, elle a été ressuscitée. Parce que c'est le monde qui était mort et ressuscité, c'est des liens bon nom l'autre pour me parler. Par contre, si la CIA a été mourue, elle a ressuscité, mais comme c'est Jésus qui me connecte mourue et ressuscité, c'est celle qui fait. Alors, c'est pourquoi je continue à parler de Jésus-Christ et que son Jésus a frappé dans les oreilles chaque monde tout le temps. Parce que non Jésus-Christ a li comme si m'dado son sort de piquant que li les piquer monsieur yo gen du mal à attendre li pas ka résister et obligé courir pas ka arrêter pourtant de Jésus et pourtant ce sont des gens la plupart d'entre eux ce sont des gens qui aiment le Seigneur les gens qui disent qui servent le Seigneur mais pourtant le nom de Jésus-Christ c'est comme je dirais c'est comme une douleur c'est quand on l'entend ça frappe mal dans la plupart des oreilles. Alors, la raison pour laquelle que nous avons reçu ce mandat de publier, de diffuser, de répandre, hein, de faire connaître ce nom. Comme dit l'apôtre Pierre et Jean dans Acte 4, verset 18-19, nous ne pouvons ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Et nous ne pouvons ne pas enseigner le nom qui est au-dessus de tout nom. Et voilà, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous ferons toujours de parler de Jésus-Christ. Parce que parler de Jésus-Christ, c'est l'essentiel. Parler de Jésus-Christ, c'est ça le message. Parler de Jésus-Christ, c'est faire connaître l'évangile du salut. C'est quoi l'évangile du salut? 1 Corinthiens 15, le verset 1er jusqu'à verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons regarder ça pour montrer le début de ce nom, le début de ce message, de qui, sur qui le message est basé. Est-ce que ce message est basé sur Allah, sur la CIA ou je ne sais quoi? Est-ce qu'il est basé sur William Smith, Mahomet ou tant d'autres encore? Mais le message, selon la parole de la vérité, les saintes écritures, est basé sur un seul homme, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Maître, un seul Libérateur, un seul qui est le premier et le dernier, un seul qui est l'époux, un seul qui est le rocher, un seul qui est le chemin, la vérité, la vie, un seul qui est la porte, un seul qui est le pain de vie. Un seul qui est l'étoile brillante du matin. Un seul qui est le rejeton de David. Un seul qui est le lion de la tribu de Juda. Un seul qui est le Tout-Puissant, le Père éternel. Ce message est basé sur lui, le Dieu véritable, la vie éternelle. C'est sur lui que ce message est basé. 1 Corinthiens 15, le verset 1er jusqu'à verset verset 5, il dit, je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est quoi ce message? De quoi parle ce message? Le verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, pour mes péchés, pour vos péchés, pour les péchés du monde. Qui est mort? Christ. Ce n'est pas Mahomet. Hein? Ce n'est pas Joseph Smith, William Branham. Ce n'est pas lui. Marion Branham, non, ce n'est pas lui. Hein? Ce n'est pas le fondateur de l'anthropologie aux États-Unis. Ce n'est pas le fondateur de Témoins de Jéhovah. Charles Taze Russell ou Rutherford, ce n'est pas lui.
C'est pas lui. C'est qui est mort? Jésus-Christ. On n'a pas un autre. C'est lui qui est mort. C'est lui le message. Le message ne peut pas être basé sur quelqu'un d'autre, sur moi-même ou sur vous-même. Non, c'est sur Jésus-Christ. Je veux entendre Jésus-Christ. C'est de lui qu'on doit parler. Je ne veux pas entendre qu'on parle de ses aventures. Hein, au cours de ses voyages à l'étranger, aux États-Unis, à New York ou partout, je vais entendre parler de quoi? De Christ est mort pour nos péchés. Hein? Selon quoi? Selon les Écritures. Hein? Et qu'il a été enseveli comme nous. Nous devons être ensevelis par le baptême de la régénération. Selon Titre, chapitre 3, le verset 5 et Colossiens 2, le verset 12. Il a été enseveli. Qui? Christ. Il a été enterré physiquement. Mais nous, nous avons besoin d'être ensevelis spirituellement par le baptême de la régénération. Parce que l'eau symbolise, comme je disais la dernière fois, la terre. Et que quand vous vous êtes relevé, c'est que vous êtes ressuscité, Colossiens 2, 12, en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alors ici, comme je vous avais dit la dernière fois, le message aujourd'hui, c'est Matthieu 28, 19. Alors, je vais revenir sur Matthieu 28, 19, parce que c'est là le centre de notre message. Mais ici, là, dans le verset 4, 1 Corinthiens 15, hein, il a été enseveli, le message que nous devons prêcher. C'est Jésus-Christ est mort pour nos péchés, hein, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Comme preuve qu'il a été ressuscité, le verset 5, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Hein? Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Avorton, ça veut dire que celui qui a failli ne pas naître, celui qui a failli ne pas recevoir la révélation de la parole. Parce que vous pouvez comprendre ça quand il dit à l'avorton. Si jamais Étienne avait demandé à Dieu d'imputer le péché de sa mort aux gens, hein, aux gens qui les avaient, qui l'ont lapidé, eh bien, Paul ne serait pas un apôtre. Il n'aurait pas ce privilège. Il n'aurait pas reçu cette révélation de la parole. Parce que dès que Tienne, lui, avait demandé à Dieu d'imputer ce péché à ces gens qui l'ont lapidé, hein, automatiquement, apôtre Paul, devant qui on avait posé le vêtement d'Étienne, ben, il n'aurait pas pu avoir, hein, hein, ce privilège, cette révélation de la parole. Alors voilà pourquoi quand il dit « comme à l'avorton », il a failli ne pas trouver cette révélation. Alors ici, là, la parole nous montre la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Comme la loi de Moïse a dit, hein, deux ou trois témoins. Hein, on doit recevoir, hein, l'accusation sur la déposition de deux ou trois témoins. Là, nous avons plus que deux, plus que trois témoins. Nous avons, hein, les apôtres, les 500 frères et tous les autres et apôtre Paul. Cela veut dire que nous avons plus que trois personnes. En conclusion, hein, il était vraiment ressuscité. Hein? Il a été vraiment enseveli. Il était vraiment mort pour nos péchés, pour mes péchés, pour vos péchés. En conclusion, il est vraiment le Christ, le Messie. Il est vraiment le Seigneur. Luc 2, 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur.
le Seigneur. Alors nous allons en Matthieu 28 et avant de débuter le Matthieu 28, le chapitre Matthieu 28, 19, le verset 19, nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ pour que nous puissions vraiment continuer ce message de la parole de Dieu. Pour continuer, nous avons besoin de prier, invoquer le nom, pour être capable présent, pour être capable d'aider nous à comprendre le mystère ça. Et pas oublier, nous t'ai annoncé son gros mystère, nous pas laisser découvrir peut-être ça dans mon doigt pour prendre Bibou et examiner avec nous attentivement pour nous capables d'arriver à comprendre la parole selon l'Esprit de Dieu, selon les Écritures. Nous avons évoqué nos Seigneurs là ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons, nous nous remercions, nous remercions, nous adorons. Oh oui, Seigneur, nous remercions, nous remercions. Nous faisons pile bagaille pour nous capables de remercier. Ou prouver qu'il est grand pour nous remercier. Ou prouver qu'il est digne de notre amour. Ou prouver qu'il est digne de notre louange, de nos louanges. Ou prouver qu'il est digne, Seigneur, que nous puissions nous posterner constamment devant toi. Ou montrer qu'il est digne, Seigneur, que ton nom soit le seul nom devant lequel que nous devons nous posterner, que nous devons fléchir nos genoux, Seigneur. Oui, tu le prouves, Seigneur. Et voilà pourquoi nous t'aimons. Voilà pourquoi les frères t'aiment. Voilà pourquoi les sœurs t'aiment. Voilà pourquoi les enfants t'aiment, les vieillards, les adultes t'aime. Voilà pourquoi ton peuple t'aime, Seigneur. Parce que tu prouves que tu es Dieu. Et tu es le Dieu que je sais. Tu es le Dieu qui est mon Dieu éternellement et à jamais. Tu es mon guide jusqu'à la mort. Seigneur, c'est ce que dit le psalmiste psaume 48, le verset 15. Hein? Tu es le Dieu qui est mon Dieu. Le Dieu qui est mon Dieu à jamais, éternellement, à jamais. Tu es mon guide. Tu seras mon guide jusqu'à la mort. Et Seigneur, l'Église le dit, Seigneur, que tu seras, Seigneur, son guide jusqu'à la mort. Voilà pourquoi la parole de la vérité nous transforme. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons reçu cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous aide à comprendre, qui nous ouvre les yeux, Seigneur, par l'onction que tu as mis en nous, Seigneur. Et cette onction qui nous enseigne, qui nous ouvre les yeux, qui nous aide à comprendre, qui nous ouvre le cœur et qui permet aux gens d'être touchés là où ils sont, peu importe leur position, qui permet aux gens, Seigneur, d'accepter, de croire et de confesser ton nom, peu importe là où ils sont, Seigneur, et de faire ta volonté. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, nous t'exaltons, que tu sois élevé, que tu sois exalté, magnifié, salmodié, parce que tu es digne, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es véritable, tu es la vie éternelle. Tu es la porte, tu es le rocher, tu es notre époux, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es le fils de Dieu, tu es le Père éternel, tu es la vie éternelle, tu es le Dieu véritable, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es digne de notre amour, parce que tu fais tout pour avoir notre amour. Et Seigneur, désormais, tu as tout notre amour. Désormais, nous nous livrons, Seigneur, entre tes mains. Désormais, nous nous rendons donc à toi, désormais, Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons te lever parmi le monde. Nous savons que, Seigneur, le monde est arrivé à un stade où on ne peut pas confesser ton nom dans le monde parce que les gens ne veulent pas entendre ton nom. Seigneur, l'armée américaine a ordonné que ses soldats ne puissent pas prier en ton nom. Ils peuvent utiliser tous les autres noms, mais Jésus-Christ est interdit. Mais nous, Seigneur, nous savons que nous ne pouvons ne pas confesser ce nom puissant, ce nom saint, ce nom glorieux, ce nom qui guérit, qui sauve, qui bénit. Oui, il est ton nom, un nom béni et saint, un nom divin que nul ne pleure en vain. De ce nom vient le salut des humains, le salut des hommes, le salut des rebelles, le salut des rachetés, le salut des condamnés, le salut des pécheurs, des impies, des païens, Seigneur. Et ce nom, nous adorons ce nom. Oui, Seigneur, nous élevons ce nom. Nous magnifions ce nom. Oui, Seigneur, nous nous prosternons devant ce nom. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est saint, parce qu'il est éternel, parce qu'il est au-dessus de tout nom. Et que tout genou doit fléchir devant ce nom. Moi, je l'adore. L'Église l'adore. Seigneur, nous t'adorons. Bénis ce moment. Comble-nous de ta grâce. Comble-nous de ta compréhension.
Aide à ton peuple de comprendre ta parole. Aide à ton peuple de décortiquer, d'examiner bien, Seigneur, ta parole, afin que nous puissions comprendre cette parole par l'esprit de consolation, l'onction. Et que, Seigneur, désormais, nous puissions reconnaître et que les téléspectateurs puissent reconnaître vraiment qui tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Et soyez bénis à nouveau. Et encore, bienvenue dans 100% évangélique. Bienvenue dans 100% évangélique. Et nous demandons avec un pile attention pour capable vraiment et ouvrir Bibou pour nous capable examiner la parole. Mais avant tout, avant que nous commencions dans le verset 19, chapitre 28, Matthieu, nous t'aimons garder Jean 8, le verset 24. Oh, merci Seigneur. Regardez, j'ouvre ma Bible exactement dans Jean 8. 24. Jean 8, 24, c'est top départ là, pour nous commencer avec ce sujet là. Jean 8, 24, pour nous capables d'entrer dans Matthieu 28, 19 là. Et puis pour nous laisser le Seigneur guider nous, pour nous voir comment, qui ça le Seigneur dit, et quelle est vraiment la révélation de Matthieu 28, 19. Quel est le message? Qu'est-ce qui se trouve, hein? Qu'est-ce qui se trouve dans ce paquet emballé, hein? Qu'est-ce qui se trouve? Qu'est-ce que nous pouvons déballer dans ce paquet et que nous puissions déguster dans ce paquet? Alors, Jean 8, 24, il est écrit, notre Seigneur Tout-Puissant qui parle. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, le verset 23, Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Le verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et je vous le dis encore, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que le Seigneur Jésus est. Et je le répète, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce qu'est le Seigneur Jésus. Qui est-il? Et c'est ce que nous allons découvrir dans la grande commission, Matthieu 28, le verset 19. Pour comprendre qui est vraiment Jésus-Christ, afin que nous ne puissions pas mourir dans nos péchés. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Le verset 19, Matthieu 28. Voilà notre centre, le centre de notre sujet. Alors, attentivement, je vous demande de regarder et d'examiner bien, parce que ici, là, nous avons des travaux à faire. Voilà. Et vous êtes comme des étudiants de la Bible. Nous sommes des étudiants de la Bible. Nous allons vraiment beaucoup de recherches ici, là, dans la parole pour comprendre le mystère de la parole. Et ces travaux que nous allons faire, nous allons les faire ensemble. Ensemble. Après, vous aurez la possibilité de nous appeler et pour poser des questions, des critiques, des accords. Pas de problème, le téléphone est ouvert, mais seulement pas maintenant. Vous ne pouvez pas appeler maintenant, il faut me laisser un peu de temps pour vous expliquer ce que j'apporte pour vous cet après-midi. Le verset 19, Matthieu 28. Alors, le verset 18, 19, 20, nous avons trois versets. Le verset 18 d'abord, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ok, tout pouvoir. Déterminant et défini. Tout pouvoir. Et voilà pourquoi, puisque tout pouvoir m'a été donné, voilà pourquoi je dis, c'est Jésus-Christ qui parle. Allez, puisque j'ai tout pouvoir, voilà ce que j'ai dit par les pouvoirs que j'ai. Allez, en utilisant l'impératif.
Faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Je n'ai pas dit toutes les nations, des témoins de Jéhovah, mais des disciples. Des disciples. Et plus devant que nous allons trouver disciples chrétiens. Hein? Disciples chrétiens. Hein? Disciples chrétiens en Jésus-Christ. Hein? Les baptisants au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est clair jusque-là. Et enseigne-leur à observer. Parce que après être devenu disciple, vous devez être enseigné pour observer la parole du Seigneur. Tout ce que je vous ai prescrit, dit-il, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors là, c'est comme s'il ne va nulle part. Ok. Revenons en arrière. Aller, c'est l'impératif, comme vous le savez. Faites de toutes les nations des disciples. N'oubliez pas ici, là, si nous comparons le chapitre 10 de Matthieu, le verset 4, 5, 6, avec le chapitre 28, le verset 19, nous avons deux messages différents. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 10, le verset 4, 5, 6, Jésus avait défendu aux disciples d'aller chez les Samaritains et d'aller aussi chez les païens, non plus chez les païens. Alors ici là, vous voyez ici le message est changé. Parce que là, on a ordonné impérativement aux disciples d'aller hein, dans toutes les nations, de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a une chose qui est plutôt une démonstration que je voulais vous montrer, mais malheureusement, je l'ai oublié. Mais nous pas laisser quand même pour nous capables de comprendre ça ensemble. Ok. Au nom du Père, comme beaucoup de gens le disent, enfin, pas beaucoup de gens, c'est ce que j'avais à vous montrer. Alors, les gens ont fait une sorte de démonstration. C'est que c'est comme un cercle. Il montre qu'il y a le Père, le Fils, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Et puis, autour, à côté, devant, on met que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Enfin, si vous regardez sur Google, pour regarder les symboles trinitaires, on peut vous présenter ça, vous allez voir et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit. Elle dit, c'est trois choses différentes. C'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'ils veulent prouver en utilisant la Bible. En plus, en utilisant la Bible. Mais ce que nous allons voir ici, là, c'est que nous allons voir, est-ce qu'il y a trois choses distinctes ou est-ce qu'il y a trois personnes, comme les gens le disent. Parce qu'il y a des gens qui osent dire que le Saint-Esprit est une personne. Hein? Le Saint-Esprit est une personne. Alors la question que je voulais poser, mais pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit? Je peux comprendre Jésus-Christ est une personne parce qu'on l'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on pouvait le frapper, on pouvait l'injurier, parce qu'il est une personne, on pouvait le crucifier, on pouvait cracher dans son visage. Mais le Saint-Esprit, vous pouvez cracher au visage du Saint-Esprit? Bon, peut-être que vous pouvez le faire parce que vous êtes esprit. Alors, ici, là, on dit au nom du Père. Mais chers téléspectateurs, en tant que des gens qui sont éclairés de la parole de la vérité, si on vous dit au nom du Père, mais au nom du Père, ce Père n'a-t-il pas un nom? Mais on ne peut pas dire au nom du Père et que vous dites vraiment au nom du Père, que vous vous présentez et vous faites au nom du Père. Mais
Frère, savez-vous déjà le nom du Père? Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Hein? Je suis d'accord, pas de problème, c'est Jésus-Christ qui...